train de voir où c'est que je pourrais placer mon flash. Parce que il y a du monde, il y a beaucoup de public et du coup il faut trouver un spot pour mettre le flash, pour pas qu'il tombe, pour pas que les gens marchent dessus. Donc je vais sûrement aller près du poteau là, c'est assez cool. Un petit spot clandestin. Ça c'est pour le tagine. Couscous, c'est poulet, tomate. Mon sac, il est étanche. 1200 joules. Matos de qualité. Luxe. Sert bien le machin. Là, on va pouvoir envoyer la soudure. Le mode escargot pour économiser un peu de batterie. Parce que souvent le soir, il fait froid et les batteries de flash, elles se vident rapidement. Je le mets bien haut pour pas que ça fasse d'ombre sur la neige par rapport au public. J'essaie de le mettre le plus haut possible à chaque fois, vu que les skieurs montent assez haut. Du coup, j'ai mis la petite coupole pour que mon axe de lumière il soit vraiment diffus, que ça couvre une bonne partie de la photo. Ben là, je vais avoir peut-être le public un peu éclairé, la neige, les éléments un peu aux alentours. Là, c'est la nuit, du coup, je vais faire mes réglages en fonction de la lumière. Du coup, là, il n'y a pas trop de lumière. Je vais mettre pas mal d'ISO. Là j'ai mis 640 pour que j'ai des éléments, peut-être un petit bout de montagne. La vitesse j'ai mis à 320, c'est la synchro flash. Le panneau de là. Toujours prendre des pieds à air comme ça. Voilà. Tranquille. Du coup là j'ai assez shooté sur la partie haute du pipe. Je vais m'orienter plus sur le milieu de pipe pour trouver un angle un peu original. On va descendre un peu. Là du coup vu que j'ai pas de flash, je suis pas en one shot, je vais pouvoir faire des séquences pour être sûr d'avoir le bon moment. Donc, la séquence ça permet d'avoir 10 photos en un saut et de sélectionner une photo. C'est cool. Du coup là je me suis mis en bas du pipe pour avoir les riders qui arrivent en bas du pipe pour avoir l'émotion, les visages, avoir les attitudes et avoir les derniers tricks de fin. Du coup au départ j'étais en haut pour l'action et là je suis plus en bas pour l'émotion. Ça c'est du solide ça.